baron de Vieilles-Souches. Ne vous dérangez pas, pas de cérémonie. Je suis resté très simple. Madame, vous me fascinez. Je vous prie de pardonner cette intrusion. Je ne suis point convié, je sais, mais comment vous résistez, démon? Depuis que je vous ai aperçu, au pesage à Longchamp, je déraisonne, je piétine les usages, absolument. Allez-vous? Mais enfin, monsieur... Baron. Monsieur le baron... J'y tiens. Peut-être un jour, pourrez-vous m'appeler Lucien, nous verrons. Pardonnez-moi, baron, mais je pense que vous prenez vos désirs pour des réalités. Décider, c'est agir, madame, et agir, c'est triompher. Telle est notre fière de vie. Mais enfin, je rêve, nous connaissons-nous seulement. Hier, du tout, aujourd'hui à peine, demain un peu, après-demain, je vous laisse à deviner, et dans 8 jours, nous nous dirons émus, déjà. Baron, arrêtez, je vous en supplie, vous m'étourdissez. Allons, remettez-vous pendant ce temps-là, je vais faire le tour du propriétaire. Où est votre chambre? Vous devez bien rester là, vous n'avez pas honte, mais à quoi pensez-vous donc? Je boirais volontiers quelque chose de frais avec un sanglot de gin. Sur sa forme du prix de Rivoli, Chasse-Neige ne peut pas être battu. Bah, il sera asphyxié, ça, Sprinter. Aucune chance, alors. Que pensez-vous de Willoughby? Ah, bah, il porte 57 kilos. C'est au-dessus de 50 kilos, il court plus, il rampe. Ah, zéro. Oh, avouez qu'il est sensationnel, notre petit baron. Que doit-on jouer, alors, au mon prophète? Portillon 2, c'est l'évidence. Malheureux, par terrain sec, il a le goût de cafard. C'est un cheval qui est né en Camargue. Faut qu'il patauge pour se réveiller. Mais enfin, baron, quel serait votre tiercé idéal? Ah, eh bien, Brigitte, Sophia et Lolo, dans le désordre d'une alcôve fin 17e. Pardonnez-moi si je biaise, mais je ne donne jamais mes pronostics, c'est un principe. Excusez-moi, je vais me dégourdir.